sous le haut patronage du président de la République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union africaine, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'Union des conseils des chargeurs africains, UCCA, avec l'Office des gestions du fret multimodal, OGFREM, organise en marge de la 12e Assemblée générale ainsi que la réunion du comité directeur de tous les États membres de l'UCCA, une conférence ayant pour thématique l'UCCA face aux enjeux de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF. Toutes ces assises se tiendront du lundi 19 au samedi 24 avril 2021 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Sont attendus à ces assises les délégués du secrétariat général de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, des pays membres de l'UCCA, à savoir l'Angola, le Bénin, le Burkina Faso, Cameroun, Congo-Brazzaville, Côte d'Ivoire, Gabon, Ghana, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Mali, Niger, Nigeria, République centrafricaine, Sénégal, Tchad et le Togo. La 12e Assemblée générale de l'UCCA, à l'ère de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, sera aussi une occasion pour ses membres d'étudier les mécanismes concourant à la facilitation des trafics commerciaux, à la libre circulation des marchandises entre les États membres de l'UCCA et arrêter des stratégies de faire fonctionner leurs institutions malgré les temps difficiles que subit l'économie mondiale suite à la pandémie de coronavirus. Hôte de ces assises, l'OGFREM pour une diplomatie économique agissante au sein de l'Union des conseils des chargeurs africains UCCA, cap vers l'horizon 2030.